Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sea of Seas. On va faire le voyage inaugural qui a été rajouté récemment. Et une petite énigme, vous verrez, c'est sympa. Pour voir les défis, vous allez dans Réputation, les fameux défis du style. Et sur la deuxième page, lorsque vous tournez, vous avez le voyage inaugural. Pour ce faire, pour débloquer les cosmétiques, la voile et la veste, il faudra atteindre les mers de Sea of Seas, trouver les 10 journaux, ouvrir la trappe et trouver le trésor, pêcher un poisson, pagayer en chaloupe, cuisiner du poulet, tirer au canon et terminer le voyage. Et ainsi vous pourrez débloquer ces deux accessoires. Seigneur pirate. You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. There, you look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Du coup, on va récupérer tout son matériel. Rally, il est vraiment joli. Ils ont créé une île rien que pour le tutoriel. Ah, une trappe, clé requise pour déverrouiller. Ah ouais, j'ai envie de dire juste une chose, c'est... Mais pourquoi y'a pas ça dans le jeu? Mon dieu! L'exploration m'emmène dans des grottes de dingue. Toujours pas trouvé la clé. On va lui parler pour faire disparaître ça. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long-lost treasures, and raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. For all that, you'll need the right equipment.
You can start by taking this old shovel. Merci, mon vieux. I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Ok. Bon, tout pour moi, c'est... je veux trouver la clé. Faut qu'on trouve la clé. Elle est là, la clé. Elle est là, la clé. La clé. Nice. Et là, il y a du trésor à prendre. On se sert. Bla bla bla. Merci. C'est tout? Là, il y a plein de trucs là. Moi, je vais tout prendre moi. Apparemment c'est tout. Il a pris cher son coffre. Félicitations, vous avez trouvé le coffre le plus pourri de Sea of Thieves. Ah, my old chest. Oh merde, c'est son coffre à lui. Ouais. Allez, tonton, fais péter. Fais péter la camelote. C'est lui le légende pirate, c'est lui le seigneur de la piraterie. Regarde-moi les armes de merde qu'il avait dans son coffre. A fine weapon. Oh, Billy Boy, tu fais pas d'effort. Serve you well out there. C'est une belle arme, il dit. There, now you look like a true pirate. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Il aurait pu le faire en chantant. Bon. Well now, I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. Ouf. Vous ne passerez pas. Il vient de faire ça, ouais. The shroud is beginning to part, but you have one more task before your journey continues. C'est un bonhomme. You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Ils auraient pas dû nous demander d'abord de prendre du bois et après de relever le mât. Thank you.
pas ce que je fous ici, moi. J'étais déjà à Sea of Seas. Hein. Bon, on y retourne, hein. Allez. Bon, la première fois que j'y étais, je savais pas comment j'étais arrivé là. Au moins là, je sais. En fait, sympa. Dommage qu'il y ait pas ça dans le jeu. Hein. La petite exploration, la petite énigme avec la clé. Suivons les lumières. Quand je vois le nombre de bateaux couler autour de moi, je suis pas serein. Je suis pas ceux du tout. Oh le bestiau. Oh le bestiau. Il est où? Il est où? Ah, prends-le. Oh putain. J'ai tué le mégalodon avec un coup de harpon. C'est pas très solide ce mégalodon. Prenez boulet, pas besoin, j'en ai déjà. Feu! Feu! Comme le gros l'a dit tout à l'heure, je crains rien en sloop. Oh ce karma, ils sont tous les krakenisés. All Sailor Heights. Ouais, dommage qu'il y ait pas ça dans le jeu. Et du coup, on arrive à Sea of Seas. Ok. Ah, mon pistolet a full bugué. Ça fait maintenant partie, c'est une corne de mon chapeau. Va falloir courir là où vous déterrez le coffre pour la quête dans l'épave du bateau, cabine du capitaine. Yes, on a un là. À propos du peuple des mers, le second journal vous pourrez trouver juste à l'entrée de l'île, côté sud. Vous rentrez dans la grotte, au fond de la grotte, derrière la cascade, la mer des damnés. Le prochain livre, il va falloir monter dans l'épave en plein milieu de l'île, à côté de la barre. Lui ont donné un nom. Le prochain livre, juste derrière vous, vous montez à la vigie. Secret perdu. Sur la seconde partie de l'île, quand vous avez ouvert la porte, la première porte, à côté du feu de camp, bivouaqué. Continuez tout en bas, il va falloir monter l'échelle.
près du grillage. Ah, j'en ai trouvé un là, tout en haut, top. Peinture du passé. Quand vous avez découvert le trésor, n'oubliez pas de prendre le journal. Il ne sera plus possible d'y revenir par la suite. Alors, le journal suivant, il faut monter par ici. Là, il est là, au pied du tonneau. Si près pourtant. Et donc, le dernier journal, il est... Il faut descendre par ici. Avant le ponton pour aller sur la deuxième partie de l'île. Il y a une petite plateforme de pierre ici. On descend l'échelle. Et il est là, posé dans la végétation. Seigneur de la mer.